Je vous en supplie, dites-moi qu'il reste. Faites quelque chose. Sauvez-le, je vous en prie. Tu vas t'en sortir. Maman, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Iggy doit s'en sortir. Blessure par balle, la victime est un homme de 25 ans. Perforation dans la région du cœur. On n'a pas pu stopper l'hémorragie. Il est inconscient. Il a disparu. Va par là. Ender ! Rien. Y a rien. Quelqu'un a dû l'aider à s'échapper. Viens, je suis inquiet pour Iggy. Allons à l'hôpital, allez. C'est clairement Dieu qui t'envoie à faire. Merci encore. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait, Sadoula? Si tu n'avais pas eu la chance que je te vois, cette bande de bons à rien t'aurait certainement lynché. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais à quoi tu pensais, bon sang? Ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que je sois débarrassé de cette ordure à jamais. C'est bien la seule chose qui compte à présent. Merci encore. Merci. Mais toi, est-ce que ça va? Mes pilules. Attends. Attends, je vais me garer et je vais te les donner, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi, Zafir. Dépêche. Aucune trace de Sadoula. Je sais pas comment il a pu disparaître aussi vite. Comment c'est possible? Il se cache sûrement chez lui comme un serpent. Et il y est pas, j'ai vérifié. Vous pourriez arrêter de vous occuper de mon père un moment? Ouais. Emmenez-moi à l'hôpital plutôt, je vous en prie. On t'emmène. Vite, je me sens vraiment pas bien. Pardon, c'est bien vous la femme de la victime? Non, ils sont pas mariés. Ah, pardon, je croyais que... On doit aller à l'hôpital, alors excusez-nous. Ça va, je vais bien. Tu m'as collé une sacrée frousse, frérot. À présent, dis-moi ce qu'a fait ce gosse pour t'énerver à ce point-là. Eh bien, ils sont entrés dans ma maison et ils ont volé les photos. Je prévoyais de faire tomber cette ordure en utilisant ces photos. Mais bon, je me suis contenté de lui donner ce qu'il méritait. Dis-moi, comment ils ont fait pour trouver ces photos? Ils n'avaient aucun moyen d'être au courant. Peu importe, Zafir. Oublions ces photos. Et partons de là. Partons d'ici au plus vite. Tout de suite. J'imagine qu'ils se sont déjà lancés à mes trousses. Avance! C'est pas vrai! Allez, dégage de là! Comment il a pu tirer ce Riggit? Il a perdu tellement de sang! C'est pas la peine de penser au sang pour l'instant. L'ambulance est arrivée rapidement. Ils vont réussir à le sauver, j'en suis certaine. Que Dieu m'entende. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est le bébé! Déjà? Oh non, me dis pas que tu vas accélérer maintenant! Accélère plus vite! Il arrive! Non, respire doucement! Allez, dégage de là! J'ai mal! Plus vite, allez! Faut qu'on dépêche là! J'essaye! Je vais mourir! Derrière, je sens qu'il y a... Dépêche-toi, je sais pas du tout ce qu'il faut faire! Respire! Niat! Yigit vient de se faire tirer dessus. Sadoula est venu avec une arme et il a descendu. Qu'est-ce que tu viens de dire, Esref? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il est devenu fou? Quand Sadoula est arrivé, il était en furie. Mais quelle espèce de sale fils de... Comment n'ai-je pas pu prévoir que ça allait arriver? Comment va Yigit? Il a été touché à la poitrine, tout près du cœur. L'ambulance est encore en route pour l'hôpital.
Envoie immédiatement quelqu'un à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Je veux la tête de ce chien de Sadoula. Mmh. Et surtout, trouve-moi Sadoula avant la police, c'est compris? Appelle mon avocat et dis-lui de venir me voir. Je vais certainement avoir besoin de son aide. Parce que je vais apprendre à ce fumier comment je m'appelle, tu peux me croire? Pas de problème, je m'en charge. Tu es inquiet pour Yigit, n'est-ce pas? Mais enfin, est-ce que tu peux me dire pourquoi ce n'est pas à moi que c'est arrivé? J'aurais dû le savoir. Ne t'inquiète pas pour lui. Il est jeune et il est fort. Je veux que Sadoula soit sévèrement châtié et dépossédé de tout ce qu'il a. Prends-lui tout. Ne lui laisse absolument rien. Je veux le voir dans le caniveau. Tuer cette ordure, ce serait lui faire un trop joli cadeau. Ce salopard, je veux le voir souffrir. Je vais lui montrer ce qui arrive aux inconscients qui osent venir se mettre en travers de ma route. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, si je peux me permettre? J'ai engagé une nouvelle recrue. J'ai investi et misé beaucoup d'argent sur lui. J'ai formé ce gars et lui n'a rien trouvé de mieux que de venir le descendre. Pour quelle raison? Quelles sont les nouvelles? Tu as pu savoir comment il va? À l'heure qu'il est, il est toujours en salle d'opération. Je ne sais rien de plus pour le moment, à part qu'il est mal en point. Tu vas me ramener Sadoula immédiatement, tu entends? On a des nouvelles? Non, pas encore, mais je pense que ça devrait plus tarder. Et Yigit alors? Ils sont en train de l'opérer, c'est tout ce que je sais. Allô? Voilà, je m'appelle Gul. Je suis une bonne amie de Yigit. Je peux savoir à qui je parle? Je suis son frère. Bien sûr. On s'est rencontrés une fois à la maison. Comment va Yigit? On m'a dit que quelqu'un lui avait tiré dessus. On attend des nouvelles. Il est encore en salle d'opération. Merci. J'espère que tout se passera bien. Montrez-vous fort et patient. Je suis certaine qu'il s'en sortira. Tu demandais des nouvelles de Yigit? Comment va-t-il? Eh bien, tu sais, c'est parce que je sais que tu t'inquiètes. Et s'il allait bien, je voulais t'en faire la surprise. Tu n'as pas répondu. Ils n'ont pas encore terminé. Sa famille n'a pas encore de nouvelles. S'il te plaît.
Est-ce que tu es vraiment ma fille ? Yigit, est-ce que tu viens? Yigit, tu ne peux pas rester ici. J'ai trop besoin de toi. Tu ne dois pas t'enfuir, mon fils. Tu as toujours été un bon garçon. Et tu n'as pas vraiment perdu ton père. La balle l'a touché vraiment près du cœur. Il va s'en sortir. Il a dit, je n'abandonnerai pas Cybèle. Il a dit ça. Et il tient toujours parole. Ça va aller, Cybèle, dis-moi. T'en fais pas, c'est rien. On attend. Il n'est rien arrivé, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, c'est une ravissante petite fille. C'est vraiment super. Bon, eh bien, elle se porte bien? Pour tout dire, elle est un peu petite et elle ne pèse seulement qu'un kilo 8. Mais il n'y a aucun souci à avoir, elle se porte à merveille. Et on l'a placée en couveuse. Un kilo 8 seulement, vous dites, mais c'est vraiment très peu. Oh, ça n'a rien d'anormal pour un bébé prématuré. Mais je vous l'ai dit, elle se porte à merveille et sa mère également. Vous pourrez lui rendre visite dans peu de temps. Le papa a l'air un peu terrifié, j'ai l'impression, non? Mais félicitations, prenez bien soin de votre fille et de la maman.
petite fille. Alors maintenant, dis-moi, le docteur a dit quoi? Je vais avoir un neveu ou une nièce? J'en sais rien. J'ai pas voulu lui demander. Une fille, j'espère. J'aimerais bien que ce bébé soit une petite fille. Probablement parce que je préfère que l'enfant ressemble à sa mère. Bienvenue à toi, joli bébé. Elle est superbe, hein, pas vrai? Cybèle, viens la voir. Je crois qu'elle est terrifiée à l'idée de pouvoir tomber amoureuse de ce bébé et que ça puisse réveiller son instinct maternel. Viens la voir. Elle est si jolie. Véritable petit miracle. Elle est si petite, vous croyez qu'elle va avoir des problèmes? Ne t'en fais pas, j'ai parlé à son docteur et je lui ai posé un milliard de questions. Dès qu'elle respirera convenablement, ils lui donneront le lait de sa mère. Le docteur a dit qu'elle rattraperait rapidement le même poids qu'un enfant arrivé à terme. Le bébé, tout comme son papa, sortiront très vite d'ici, ne t'en fais pas. Je vais aller voir Yigit. Il devrait avoir fini maintenant. D'accord. Mais ne faites surtout rien sans me demander l'autorisation. Attendez nos ordres. Est-ce qu'on a retrouvé ce cafard? Oui, on l'a retrouvé. Il se cachait dans la maison de la grand-mère de Zafer. Écoute-moi bien. Je les veux vivants tous les deux. Sans problème, patron. Des nouvelles? Tu la verrais, elle est vraiment magnifique. C'est un modèle réduit. Ses yeux sont de vraies perles, exactement comme les tiens. Et elle est en bonne santé, grâce à Dieu. Je ne sais pas comment vous remercier, Seigneur. Que Dieu la bénisse. J'espère qu'il la fera grandir avec son père et sa mère. Personne n'est venu me donner des nouvelles de Yigit. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie. Est-ce qu'il est vivant derrière, dis-moi? Oh, oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Dieu veille sur lui pendant qu'on l'opère. Il est en vie. Je veux que tu me dises la vérité. Mais enfin, Kubra, regarde-moi. Est-ce que je t'ai déjà menti? Et s'ils sont toujours en train de l'opérer, ça veut dire qu'il est dans un état critique. J'ai vraiment besoin de le voir. D'accord, d'accord, écoute. Je vais aller me renseigner. Je vais aller voir si on a du nouveau le concernant. Je vais venir avec toi. Mais t'es folle, non mais il n'est pas question que tu bouges. Tu viens d'avoir un bébé, Yigit ne va pas s'enfuir de l'hôpital, Kubra. Teria, j'ai vraiment besoin d'aller le voir. Je te promets de te donner des nouvelles. Mais tu vas rester ici et te détendre. Allez, repose-toi, tu en as besoin. Toi, reste ici avec Kubra et surtout ne la laisse aller nulle part. J'ai l'impression de devoir faire du babysitting pour tout le monde aujourd'hui. C'est bon, Esref, ça suffit. À quoi est-ce que tu pensais exactement, hein, dis-moi? Je croyais que tu savais le sort que je réservais à ceux qui s'aventurent à faire du mal aux gens qui travaillent pour moi. Tu es bien placé, non? J'ai été pendant longtemps ton bras droit. Et quand tu m'as jeté au rebut, tu as fait naître en moi de la rage. Je t'ai prévenu des dizaines de fois. Tu étais aveuglé par tes ambitions. Tu voulais prouver quoi, au juste? Et résultat, même ta fille t'a tourné le dos. Pour moi, c'est clair, je n'ai plus de fille. Je considère qu'elle est morte. Bravo. Et tu en es fier? Débarrassez-moi de cette ordure. Cachez-le dans la ferme de Catalca. Et vous attendrez mes ordres.
Sadoula. Prie pour que Yigit survive. Les affaires, où est-il? Il est à la cave, Nihat. Alors dites-moi, comment va mon frère, docteur? Il a dû subir une intervention très délicate, vous devez en être conscient. Nous avons pu retirer la balle et nous avons stabilisé son état. Mais il a perdu de grandes quantités de sang. Son état reste encore très fragile. Bonne chance à lui. Merci. Il est en salle de réveil. Oh, merci, mon Dieu. Mais sinon, est-ce qu'il va bien? Ils ont réussi à extraire la balle. Le docteur a dit qu'il était encore très fragile, mais il devrait s'en remettre. Quoi, fragile? Eh bien, il a dû subir une intervention extrêmement lourde. Mais le docteur a été très clair. Yigit va s'en sortir parce qu'ils ont réussi à extraire la balle. Mais enfin, s'ils ont retiré la balle, pourquoi est-ce qu'il est fragile dans ce cas? Enfin, vous savez bien comment parlent les médecins, comment je saurais, moi? Mais bon, il a survécu à l'opération, et ils ont pu lui retirer la balle, alors essayez d'être un tout petit peu positive. Il n'y a pas de problème, alors essayez de vous calmer. Oh, Seigneur, je vous en supplie. Faites qu'il n'arrive rien à Yigit. Tout ira bien. Alors, dis-moi un peu ce que t'as promis, Sadoula. Vous faites erreur. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, croyez-moi, je peux vous le jurer. Je passais par hasard dans le secteur. Il m'a forcé à m'arrêter en pointant son flingue sur moi et de le laisser monter. Autrement, vous pensez... La ferme ! Inutile de me mentir. Explique-moi pourquoi vous êtes allés chez le notaire ensemble. Et dis-moi ce qu'il voulait te donner. C'est n'importe quoi, tout ça. Quoi qu'on ait pu vous raconter, c'est faux. Tu crois vraiment que je parle sans avoir de preuves? Hein? Hein? Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Dis-moi par quel miracle tu es devenu le propriétaire d'une baraque à plusieurs millions, hein? Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Je suis innocent. Sadoula a dû vouloir me piéger. Je vous en prie, vous devez me croire, monsieur. Sadoula est le seul que vous devez blâmer. Ne faites pas ça. Je vous en prie. Émir, l'infirmière en chef, m'a dit de venir te chercher. Pour quelle raison? J'en sais rien, elle m'a rien dit de plus. Docteur, vous allez pouvoir aller embrasser votre frère. Il va bien? Votre frère est un homme robuste. Quand vous m'avez fait appeler, j'avoue que j'ai imaginé le pire... Est-ce qu'il va se remettre, docteur? Est-ce que tout va bien? On va s'assurer qu'il se repose, on va surveiller ses constantes. Il va devoir rester en soins intensifs. Mais je crois qu'il a envie de se battre. Merci. Les infirmières vont être aux petits soins pour votre frère, croyez-moi. Merci. Merci. Dieu merci, il s'en est sorti. Vous avez entendu? S'il peut commencer à avoir des visites, ça veut dire qu'il va bien. Il a encore fallu qu'il joue les trompe-la-mort. Je pense pas que Sadoula va s'en tirer comme ça. Ça, c'est clair, ouais. Tu m'étonnes. J'ai eu si peur. Si peur. C'est terminé. Je vais aller annoncer à Kubra la bonne nouvelle. Pas encore, pas tant qu'il est toujours en soins intensifs. Émir, tu peux souffler maintenant. Kubra a besoin que tu sois là. Tu dois te montrer fort pour elle. Tout ira bien. Je sais que tu dois être fatigué. Il y a un bébé à présent. Laisse-moi faire. Tu as toujours été le plus fort de nous.
toujours été le plus courageux. Mais ça continue. Tu es là à lutter contre la mort. Et moi, je suis terrifié en te voyant longer devant moi. Yigit, j'ai tellement peur qu'il t'arrive malheur. Tu as maintenant une superbe petite fille. Elle est tellement petite. Et elle a besoin de toi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi, Yigit. Réveille-toi, je t'en supplie. On a besoin de toi. Pépé, comment on ouvre ce truc? Qu'est-ce que tu es belle? Ne pleure pas, mon bébé. Je suis si heureuse que tu sois là. Et tu ne dois pas te faire de soucis, hein? Ton papa va bien, oui. Je suis certaine qu'il sera remis sur pied avant que tu ne sortes d'ici. Je le laisserai te prendre dans ses bras et tu verras qu'il t'aimera plus que tout au monde, mon petit trésor. Ne pleure pas, mon amour. Tu n'as aucune raison de pleurer, mon ange. Dieu veille sur toi. Mon cœur, non, ne pleure pas. Tu es enfin de retour. Oui, Madame Kaiser, je suis là. Je suis juste venue pour me changer et Kubra voulait son sac et quelques affaires. Je vais prendre des vêtements pour derrière. Et comment va le jeune homme sur qui on a tiré, dis-moi, Cybèle. Bien. Viens donc t'asseoir, ma petite. Bien, ils ont réussi à extraire la balle. Et puis, ils ont dit qu'il allait survivre. Mais il... Il est toujours dans un état très critique. Et il vient d'avoir une petite fille. Ça va aller. Tout se passera bien. Tu sais, je suis au courant de tout, ma petite. Je peux rien leur dire sur nous, Madame Kemser, vous savez. Je peux même pas me permettre de pleurer pour lui quand ils sont là.
mon frère. Il est en soins intensifs pour le moment. Qu'est-ce que tu viens de dire, Emir? Mais comment va-t-il à présent? L'opération s'est plutôt bien déroulée. Pour autant, il n'est toujours pas sorti d'affaire. J'en suis réellement navré. Mais que s'est-il passé exactement? On sait qui a tiré. C'est un agent immobilier du voisinage. C'est à cause de ce type-là que mon père a mis fin à ses jours. C'est d'accord, Emir. Tu peux aller au chevet de ton frère. Je vais appeler mon conseiller pour lui demander de t'envoyer de l'argent, comme ça tu n'auras pas de soucis des frais médicaux. Inutile de gaspiller ton énergie en pensant à l'argent. Nous allons tout prendre en charge. Non, attendez, je ne vous appelais pas pour ça, monsieur. Tout va bien, ce n'est pas la peine. Comme tu voudras, mais n'hésite surtout pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est compris? Ok, merci. Il est étendu, immobile sur ce lit derrière. On dirait qu'il est mort. Mais enfin, voyons, comment tu peux dire ça, Kubra? Dieu veille sur lui. C'est de ma faute tout ce qui arrive. Si on n'avait pas été ensemble, alors mon père n'aurait jamais eu une telle rage contre Yigit. Dis pas de sottises, Kubra, parce qu'alors tu n'aurais pas ce magnifique bébé, pas vrai? À cause de son grand-père, ma fille ne connaîtra peut-être jamais son papa. Ah, oh, Cybèle, tu tombes vraiment bien, tu vas pouvoir m'aider, je crois. Les sanglots interminables de Kubra vont finir par avoir raison de moi, à force. Kubra, écoute. Il faut toujours essayer de voir le bon côté des choses, ma belle. Tu dois pas te laisser aller à la déprime. Pas vrai? Exactement. Je t'ai apporté des affaires de rechange. Et puis j'ai des vêtements propres pour toi aussi, Deria. J'ai aussi le sac avec les affaires du bébé. Je crois qu'on peut dire qu'on a officiellement emménagé à l'hôpital, hein, les filles? Madame Capan, c'est l'heure des visites. Votre fille vous attend. Allons-y. Dépêchons-nous de sortir d'ici, Cybèle, parce que la fille pleure encore bien plus que la maman. Oh, je vous en prie, venez avec moi. Peut-être qu'on pourrait l'accompagner, tu crois pas, histoire de l'aider? Mon Dieu, regarde ce que tu as fait d'elle. Tu vas voir qu'elle va nous faire un enfant, elle aussi. Allez. Pour me faire enrager que tu travailles pas, hein? Tu veux me tester? Tu voulais que je revienne vers toi? Tu voulais voir si je t'aimais vraiment? Alors t'es stupide ou t'es aveugle? Pourquoi je t'aurais traité si mal si je t'aimais pas? J'avais encore jamais été amoureuse de personne. C'est la toute première fois que ça m'arrive. J'étais sur le point de t'abandonner par amour pour toi. J'aurais tellement aimé que tout soit différent. J'aurais voulu pouvoir te prendre la main quand tu me l'as demandé. Et puis partir au loin avec toi. C'est moi qui te le demande, Yigit. Lève-toi et partons. Yigit, je t'en prie, ouvre les yeux. Regarde-moi, je te promets de faire ce que tu veux.
supplie. Cybèle, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu t'inquiètes pour Yigit? En fait, c'est Kubra qui se fait du souci pour lui. Mais elle doit aller s'occuper du bébé, donc je suis venue voir comment aller Yigit pour elle. À plus tard. Elle avait l'air bizarre. Attends. C'est une bonne nouvelle. Nous allons l'aider à se réveiller. Et si tout se passe conformément à ce que nous avons prévu, nous pourrons l'installer dans une chambre dès ce soir. Merci infiniment. Merci vraiment. Merci beaucoup. Tu en veux encore un peu? Non, ça ira. Merci, c'est bon. Esref, Esref, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. Très bonne, patron. Yigit est sorti des soins intensifs. Ils vont le mettre dans une chambre normale. Alors il a réussi à défier la mort, hein? Un vrai tigre. J'en étais sûr. Patron, si vous voulez bien. On devrait peut-être lui rendre visite. Oui, tu as raison. Pas tout de suite. Mais très bientôt. Essayez de lui éviter tout effort inutile. Je vous rappelle qu'il sort des soins intensifs. Très bien, merci à vous. Bon, je vais aller le voir. Allez, je lui annonce la bonne nouvelle ou tu veux lui dire toi-même pour le bébé, Kubra? Non. Je ne sais pas trop comment il va réagir à la nouvelle. Ça pourrait le mettre de mauvaise humeur. On attendra qu'il aille un peu mieux. Et puis, il vaut mieux que je n'y aille pas, je crois. Il comprendrait que j'ai accouché. D'accord. Tiens-moi au courant. Fais pas trop attendre ton frère. Dépêche-toi d'aller le voir. Ok, ok. Est-ce que si je vais pas le voir, croyez que c'est grave? Je suis pas si importante après tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es une de ses amies, enfin, tu devrais y aller, je t'assure. Même la mère de sa fille n'y va pas alors. L'ambiance de cet hôpital m'oppresse. Je préfère rentrer et me reposer. Oh oui, je comprends, Cybèle, que tu sois fatiguée, mais c'est ça de devenir une princesse. Oh, c'est juste que je plaisante. Je t'appelle. D'accord. À plus tard. J'ai failli devenir dingue, tu sais. J'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse t'arriver quelque chose. Bien sûr. C'est pour ça que tu m'appelles jamais. Mais t'en fais pas pour moi. Je suis un vrai dur à cuire. Je veux que tu saches une chose. Vas-y, parle. Tu sais, des fois, on demande aux enfants : qui est-ce que tu préfères entre ton papa et ta maman ? Eh bien, moi, c'est toi que j'aime le plus au monde. T'es pas croyable. Épargne-moi les mélodrames, tu veux? Je vois que tu récupères vite, hein? Ouais. Sadoula s'est fait choper ou pas? Non. La police le recherche. Parfait. Parfait. Comme ça, quand je le retrouverai, je pourrai le tuer moi-même. Quand vas-tu enfin retrouver la raison? Regarde où tu en es.
Tu n'as quand même pas pitié pour le type qui a pressé la détente. Mon amour, tu es tellement jolie, tu sais. Tu vas bientôt sortir d'ici, mon bébé. Oh, très bientôt, je te tiendrai dans mes bras. Ta maman te fera plein de gros câlins. T'es la plus jolie petite fille au monde, tu sais. Tu es le plus joli trésor de ta maman. Je t'aime, mon cœur. Sois tranquille. T'es si mignonne. Ton papa va s'en remettre. Tu es vraiment la plus belle de toutes. La plus belle au monde. Et très bientôt, tu auras une famille. Mon tout petit bébé. Tu vas bientôt sortir, hein.